Herzlich willkommen zu Snapshot und einem offenes API für georeferenzierte Bilder. Die generieren Mehrwert aus Metadaten, nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Aujourd'hui, on parle presque chaque langue qui existe en Suisse. L'anglais, l'allemand, deutsch, mais pas le romanche grisoun. Dieses Projekt, was wir Ihnen in den nächsten 90 Minuten zeigen, ist interdisziplinär. Wir haben aus der einen Seite die Vortragenden von der Fachhochschule Yverdon. Von dort kommen auch zwei Abteilungen, einerseits aus der Media Engineering Institute und andererseits aus dem Institut der Ingenierie du Territoire. Wir haben Webspezialisten und KISS-Spezialisten auf unserer Seite hier dabei. Wir haben auch mit Martin Bess, eine Studentin von der Uni Zürich, dabei. Also schon wieder eine Gruppe größer. Und auf der anderen Seite bei Swisto haben wir Theo Sotman. Er wird auf Französisch vortragen, aber kann natürlich auch Italienisch antworten. Der von der Abteilung der Distribution Geodonnées kommt, also der Geodatenabgabe, und sich vor allem mit den analogen öffentlichen Sammlungen der Luftbilder beschäftigt bei Swisstopo. Dieses Kolloquium hier ist unter anderem das Ergebnis eines Projektes, das mit Engedi-Mitteln gesponsert wurde. Engedi-Mittel, das sind finanzielle Mittel, die von den Kantonen und der Bundesverwaltung zusammengetragen, bereitgestellt werden, um genau im Sinne eines Startups, eines Incubators, gute Ideen vorwärts zu bringen und um den Mehrwert zu nutzen. Dass das funktioniert, hat Jens Ingensand und sein Team erfahren dürfen. Sie haben nämlich 2021 den Open Data Award für die beste Open Source Software bekommen. Ja, generelles, auch wenn Sie dieses Kolloquium während dem Vortrag verlassen müssen. Es wird alles aufgezeichnet. Es wird nachher auf YouTube von Swisstopo bereitgestellt sein. Sie können ab sofort im Chat Fragen stellen. You can ask questions already in the chat from now on. Et ce qui est important, vous pouvez poser vos questions dans votre langue naturelle. On va répondre dans votre langue naturelle. Même italien. Merci Théo. Sie können also wirklich die Fragen stellen in Ihrer Sprache. Die Slides sind untertitelt. Jetzt werden Sie sich fragen, wo ist der Chat? Wie funktioniert das in Teams? Sie haben oben rechts neben dem Zahnrad ein Q&A-Icon, das Sie öffnen können. Und Sie können dann die Frage stellen. En français, vous avez posez une question, vous avez tout en haut à droite, à gauche de cette rouille, un bouton pour poser des questions. Ça ouvre une nouvelle fenêtre et vous posez une question. Wir werden dann am Schluss auf die meistgestellten Fragen eingehen oder auch noch auf offene Fragen eingehen. Also, c'est parti, die Agenda. Es geht zuerst um den Hintergrund, was ist der Wert von historischen Bildern, das Snapshot-Projekt und dann die Idee, die entstanden ist, um mit diesen Engedi-Mitteln umzusetzen, haben wir Ziele definiert, das API entwickelt und dann, wie kann man das dann einsetzen bei Swisstopo und einen Ausblick. Jetzt werde ich an Jens übergeben. Jens, c'est parti. Merci. Alors, bonjour. Je m'appelle Jens Ingensand, je suis professeur à la HUGVD à Yverdon. Alors, je vais tout d'abord parler un tout petit peu du background de ce projet. Alors, il s'agit de photos historiques. Donc, les photos historiques sont des témoignages très intéressants du paysage. Ils donnent des informations sur le paysage, par exemple, au changement climatique. On peut analyser la fonte des glaciers. L'infrastructure, l'urbanisme, c'est aussi un domaine très intéressant. On peut, par exemple, suivre si une fois une gare a été créée à un endroit, on peut suivre comment
Une ville s'est développée autour de cette gare, des dangers naturels, c'est évidemment aussi un sujet très intéressant qu'on peut analyser à travers grâce aux photos historiques, ou aussi l'aide à la décision de pouvoir déterminer si on fait une action. On peut déjà aussi voir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé si on a fait quelque chose de similaire. Et évidemment aussi pour les sciences, des photos historiques sont une mine d'or où on peut apprendre du passé à travers des simulations, de la documentation, la détection. Donc il y a plusieurs techniques qui nous permettent d'utiliser ces photos pour apprendre du passé. Par contre, l'utilisation des photos historiques est parfois un peu difficile. Les photos sont souvent pas numérisées ou catégorisées, donc ils prennent de la poussière dans des cartons. Et puis évidemment, ces collections se trouvent aussi dans des collections différentes, à des endroits différents. Et puis une fois qu'ils sont numérisés, il y a aussi plusieurs standards qui sont souvent utilisés pour la diffusion. Donc on a fait un petit sondage, 37 participants ont répondu, environ 40% des photos, des collections de photos étaient numérisées. C'est surtout des GIF qui a été utilisé, donc c'est un format pour sauvegarder des photos. La résolution de ces photos est très très variable, donc entre 300 et 2000 dpi. Et puis, au niveau des standards, il y a surtout un standard pour les métadonnées qui sont utilisées, c'est le standard ISAD-D. Par contre, il y a encore aussi d'autres standards qui sont utilisés, mais ça dépend beaucoup de la collection ou des archives. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant le projet Smartshot. Alors, plusieurs connaissent peut-être le projet Smartshot déjà. Donc, c'est une plateforme de crowdsourcing pour la géolocalisation en 3D de photos historiques. Donc, ça fonctionne comme ça, qu'on a des photos et puis un globe virtuel. Et puis, dans ce globe virtuel, on peut donc, à l'aide de points de contrôle, on peut donc géolocaliser une photo, puis donc enregistrer sa position, donc non seulement l'endroit depuis où la photo a été prise, mais aussi les trois angles qui définissent l'angle de vue. Alors nous avons préparé une petite vidéo qu'on aimerait vous montrer, qui vous montre aussi le fonctionnement de Smartshot. For georeferencing historical images. We would also like to give a big thanks to all of our volunteers who have been contributing to our platform. We have over 140,000 images which have been georeferenced across Switzerland, Austria, and Rio de Janeiro in Brazil. Georeferencing images makes it possible for us to compute its viewshed. This in turn allows you to see the image footprint on the map. With triple IF integration, Smartshot allows you to import images directly from the IIIF server. If you move to the Discover mode, here we get to see the full power of Smartshot. These are all the images which have been currently geolocalized. You can filter by owners or collections, dates, keywords. As you move around the map, zoom in and out, the list of images below will be updated to the view of the map area. Here is another image of a glacier. One cool aspect is that from this view, if you select another image below, you will be taken to a 3D movement across the globe to where the next image is georeferenced. This gives the user a real in-depth feel of being inside a new world. If we switch to contribute mode, we can see all the images that are available for us that have yet to be georeferenced. You simply select an image, and if you so choose, select geolocalize. Here, with simple instructions on the left, we can georeference our image with at least 6 points. Simply selecting points on the left on the image and its corresponding point to the right on the 3D map. The user should utilize the zoom function on both the image and in the 3D map area to be more precise with its points.
Once the user has selected 6 points, we can compute its position. Here, the user can compare the image to the 3D map to make sure he is accurate in his geolocalization. Alors, là, j'aimerais vous présenter l'idée aussi derrière ce projet INDG. Le projet s'appelle Proof of Concept d'une INDG dédiée aux photographies géolocalisées à valeur géographique. Et ce projet a donc comme but d'investiguer la possibilité de créer une infrastructure nationale de géodonnées dédiée aux photos géolocalisées, de créer une API, donc on va vous présenter ce que c'est aussi une API un peu plus tard, d'investiguer les différents standards qu'on peut utiliser pour la diffusion de photos géolocalisées. Et puis, l'idée, c'est aussi d'investiguer cette thématique à travers les différents cas d'utilisation. Alors, j'aimerais vous montrer donc maintenant plus concrètement les buts. Donc, alors tout d'abord, j'ai parlé de cette API. Donc, une API, c'est donc une Application Programming Interface en anglais. Donc, ça, c'est une interface qui donne un accès aux données qui sont derrière dans la base de données. Et puis, cette API permet donc aussi de créer des nouvelles applications, des processus pour qui accèdent directement ces données-là et donc d'extraire directement des informations géolocalisées. Donc, on va vous présenter ça un peu plus en détail, comment ça fonctionne. Deuxième point, c'était justement aussi l'analyse de standards pour des API. Donc, il y a des différentes organisations qui créent des standards. Et puis, si on veut diffuser des informations, il est évidemment très important que les informations puissent être diffusées à travers des standards qui sont utilisés par un plus gros nombre de personnes. Et puis, donc, le dernier point, donc l'analyse de différents cas d'utilisation avec cette API. Alors là, j'aimerais passer la parole donc, tout d'abord à James qui va nous présenter l'API et son fonctionnement, et ensuite aussi à Martin qui va nous présenter un cas d'utilisation avec cette API. James. Merci. So, en anglais, hello everyone. My name is James Taylor, and I'm just going to give a very high level basic understanding first of what an API is and some of the use cases that we have created. So the best example I could give, it would be when we go to the restaurant. We can say that the customer is the user, the waiter is the API, the service, and the kitchen is the application. So as a customer, you have the documentation or the menu, and you will know what is possible for you to order or to request from the server. The waiter is like our API. It will understand your request and give it to the application. And we, from the documentation, we know what we can request and in what format. The server, once it's finished processing the request, will then call on the API to return the response back to the user. So, we can think of this in the real world, but of course the API can deal with multiple users and we're talking milliseconds. So why create an API? So as a short comparison, before we had a manual process which involved multiple people, both from the snapshot team and from the owners of the collections. This is a manual process, so of course we're all unique. We have our own preferred formats. We could get a CSV format, PDF, Libra. There's many formats out there in which data can be transferred to us. Then we have to process this data
and return it back to the owners. So it's very time consuming, resources and time and money. And of course, it's very error prone, because when we're dealing with people, we're very prone to errors. So when we compare this then to an API, it's the initial resources are done in building the documentation and setting up the API. And once that's done, technically we can just let the API do the work for us. Every time we have a request, we follow the same format, implemented once in a clear documented procedure, and it can be run automatically. We don't need any human intervention. We can set up some jobs to process these API requests automatically. So we take away a lot of time, a lot of resources, of course, which means less money, and not error prone as before. So here is an example of the menu from the restaurant. So we have the documentation for the API. So it will tell the user how to interface with the server. We have some basic GET requests, so it can tell you what data is available, what filters we can apply to these fetch requests. If we want to get an image, we don't need to get every detail on that image. We can select what we want to retrieve. We also have some updates. We can create new data, and we can update existing data. And of course, this depends on your access, which we also have incorporated into the API. So each example here you can click into, and it will give you an example on some requests, and also some error responses that may come back if you're not authorized or if you're not using the documentation correctly. So here I have an example, a screenshot from our application, where we have selected an image which has been geolocalized. So you can see on the left, we display some metadata. We have the title, description, when the image was taken, and of course some extra functions there for you. So if we want to use the API, here is an example where we are selecting the data that we want for this particular image. And you can see here where we use the ID. So we're only selecting from one image. And again, like I mentioned, we can select which metadata we want by using the attributes keyword. So for this example, I am requesting the title, the latitude, longitude, and the media for this image. And here is the response that we get from the server. So again, using the documentation, it's very easy for a user to request what they want, and understanding the format of the response, you can then set up on your side how to display that information. So some user cases, we have created a web component for a carousel. It's very simple and easy to use. We have some documentation for you to read, but just simply, if we add these two lines of code, so we have our script tag inside our HTML, and we just source attribute. We're pulling the CDN for this element. The element underscore snapshot. And you just need two attributes, the latitude and longitude. So when you incorporate this into your web page, you will have what you see here displayed is a simple carousel of images, which will be in the nearby area to the location that you provided. We can go left and right, and we'll be going further away, pulling more images from the area. Another use case is the footprint. So when the owners of these collections and they upload photos to Snapshot, thanks to the work from our volunteers, they have geolocalized these images. And with Snapshot, we generate a footprint. So if you think of the area you can see inside of the image,
And from this, we can generate geotags on the map. And here we have the API where we're getting the footprint from a particular image. And again, you can see the GeoJSON data, which will be returned. And this can be used to create a map showing the footprint of the image. And on the right, you can see one of the owners, which is utilizing this tool, where below they can visually display to the user where this footprint is generated from this image. So again, we're using the power of Snapshot and we're using it on our web page. So that's it from my side. Thank you for your time and I'll hand you back to Jens. Un autre cas d'utilisation pour l'utilisation de cette API sont des observatoires photographiques du paysage. Donc, les observatoires photographiques du paysage sont donc des collections de photos. L'idée, c'est que les photos sont prises du même endroit à des différents moments dans le temps. Donc là, je vous ai mis sur cette slide une extraction d'une OPP, donc d'un observatoire photographique du paysage, où on peut voir l'évolution du territoire. Donc on peut voir entre 2005 et puis 2020, donc ça vient de la collection photographique Landschaftsbeobachtungslehren. On peut donc voir entre 2005 et puis 2020 comment le paysage s'est transformé, donc comment les arbres ils sont devenus plus grands, il y a des maisons qui ont changé de couleur, ou il y a toute une zone plutôt agricole qui s'est transformée en ville. Et puis, ce cas d'utilisation est un peu particulier, comme il prend aussi en compte le temps comme dimension supplémentaire. Donc, on parle non seulement de photos géolocalisées en trois dimensions, mais aussi dans le temps. Et puis, évidemment, aussi, ce cas d'utilisation, il est donc aussi très intéressant, comme il y a déjà plusieurs observatoires photographiques qui existent en Suisse. Donc là aussi, deux autres exemples de la vallée de Guimugio au Tessin et du parc Chasserad à Neuchâtel. Et le problème avec de ces observatoires, c'est souvent de financement à long terme. Donc, on obtient des fonds pour commencer ça, mais si on veut que ça dure pendant plusieurs années, il est difficile de trouver ces fonds de manière continue. Donc là, l'idée avec ce cas d'utilisation, c'est justement de pouvoir mutualiser des ressources, donc d'avoir une base de données commune qui permet aussi donc à la fois de rendre public ces observatoires, d'en tirer des conclusions, de faire des analyses, et puis donc aussi de partager les ressources. Alors, pour le quatrième cas d'utilisation, j'aimerais passer la parole à Martine Bess. Merci. Alors moi, je vais vous parler de cas d'utilisation qu'on a dans le cadre de la collaboration avec SARI, donc le Swiss Art Research Infrastructure de l'Université de Zurich. Donc moi, je suis employée par l'Université de Zurich pour travailler sur cette collaboration. Donc SARI, ils ont mis en place ce projet qui s'appelle Bilder der Schweiz Online, donc BSO, qui est donc un portail en ligne où ils mettent à disposition des images historiques, que ce soit des photos, des peintures, des illustrations. Donc, je vous invite à aller visiter leur site. Et donc, le but de la collaboration avec Snapshot, c'est justement d'obtenir plus de métadonnées sur leurs images. Et donc, grâce à cette collaboration, on a pu pas mal améliorer notre API. Et justement, on a pu aussi ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc là, je vais passer brièvement en revue. Donc les requêtes, par exemple, que leur plateforme fait directement à la nôtre, par exemple, ils récupèrent directement les coordonnées qu'ils ont été géoréférencées. Il y a aussi, ils utilisent un widget, donc un widget de Snapshot à mettre sur leur site. Et ensuite, on peut récupérer les observations faites par les volontaires directement. Et enfin, la dernière point, c'est ce qu'on est en train d'implémenter actuellement, c'est la possibilité d'envoyer et de mettre à jour des images directement depuis BSO à Snapshot. Pour l'instant, c'est limité à des images qui sont situées sur un serveur IIIF, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc là, je vais juste vous présenter un peu plus en détail le widget Snapshot.
Donc là, un autre exemple de requête qu'on peut faire avec la documentation que vous a montré James tout à l'heure, donc avec un get image. Donc on pourrait, par exemple, vous voyez tout en haut, il y a une catégorie où il n'y a que les images qui sont géolocalisées. Donc comment obtenir cette liste d'images? Par exemple, c'est en faisant un appel à l'API get image et en spécifiant un filtre qui serait, par exemple, qu'on veut que ce soit les images qui ont été validées. Et donc ça permet que, par exemple, quand on va sur leur site à gauche, ils ont pu ajouter une mini-vue 3D de l'image géoréférencée directement. Ensuite, deuxième image, c'est justement les observations. Donc sur Snapshot, ceux qui ne sont pas très familiers avec la plateforme, on peut, quand on géolocalise une image, on peut mettre des observations si on trouve quelque chose d'intéressant. Donc là, par exemple, j'ai mis l'exemple sur donc à droite sur Snapshot, un volontaire a réussi à identifier que le château au fond à droite, c'était le château de Saint-Barthélemy. Et grâce à une requête de l'API, vous avez tout à gauche la plateforme BSO où on a pu récupérer directement cette opération à afficher. Et donc l'exemple de la requête, c'est que là on fait on utilise la documentation get observation. De nouveau, on peut spécifier un filtre qu'on veut une observation validée et on peut spécifier le filtre l'identifiant de l'image en question. Ensuite, dernier point, c'est justement sur la nouvelle fonctionnalité qui serait d'envoyer et de mettre à jour des images, donc avec un post-image, puis un put pour la mettre à mise à jour. Et puis l'envoi de ce qu'on dit un body, donc d'envoyer le JSON pour mettre à jour les attributs. Et j'irai plus en détail plus tard, mais par exemple, ça permet, vous avez l'image à gauche sur Snapshot avec l'entier, mais ça permettrait de mettre à jour pour avoir que l'image en elle-même et puis pas les petits carrés de couleur dessous. Donc, je reviendrai plus tard sur IIIF, mais pour l'instant, je vais passer la main à mon collègue Nicolas pour qu'il vous parle des standards. Also, hallo zusammen, mein Name ist Nicolas Blanc. Ich werde meine Teile über die Standards auf Englisch präsentieren, weil wir haben vielleicht Besucher, die sind worldwide. So. We are between two worlds in Snapshot, the geoinformation world and kind of the culture heritage world with old pictures coming from archive institute and so on. And in between these two worlds, there are many different standards that are used and we are trying to group them together onto the platform. So to take the things from the root, why do we need standards today? You probably all travel abroad around the world with your laptop or any electrical device and you need to load it using your power cord. And when you get to the plug, you notice that it's not the right one and you need kind of a converter or something like that and you're getting angry about that. So this is all the same with numerical data actually. And there is a principle which is called FAIR. For the F stands for findable, so you must be able to find the data if you search for it. The A is for accessible, that means you must be able to read the content of the data you are requesting. And the I is for interoperable. This is really important because if you want two systems to dialogue with the same data, you need them to be interoperable actually. And the R stands for reusable, that means you should be able to reuse them. So the Snapshot data should be reusable on other API if you want to build stuff on that for scientific research, for example. And these FAIR principles are really important and they are so important that they are printed on each and every slide of the Open Geospatial Consortium presentations. If you found them online and so on, you will find all these four principles on their first slide. So about standards, what do we have for images and geolocation? So you probably all know that each time you take a picture with a camera or a smartphone, you will have EXIF metadata that come along the picture. And for example, on these EXIF metadata, you could find latitude, longitude, and altitude of the GPS chipset which is along in your camera, and for example, the direction of the image. But this is not enough for Snapshot images. And on the other hand, as I presented at the beginning, we have these culture heritage worlds, which are more and more getting used to this IIIF standard for sharing information and image metadata in a standardized way. And there are two interesting groups working on geo stuff, let's say,
their map technical specification group and their map community group, which are actually trying to think tank how IIIF should be used for geographical data. And of course, we have also the OpenGL Special Consortium, known as the OGC, which I will speak about later. And we are using an encoding format called GLTF for sharing the 3D images in Smapshot. So about the IIIF, first, because it's one that is used by many of our partners. So it's really like a community of people that develops shared APIs around images and metadata that come with their images. And they implement them in software, mainly visualization software that can be used, for example, in your web browser. So at the end, we could say that they expose interoperable content around their images. This could be any kind of digital scans of old pictures or documents. And what can IIIF do actually? Well, basically, it's a rich delivery system for images and their metadata. For example, you can query for specific type of metadata, like the author, the year of the image, and so on. It's something that is kind of plug and play, so you can reuse it as we are doing in Snapshot actually. You can remix, assemble, and reuse content, cite and share, of course, and support for attribution and access control. So you could allow only some user to be accessible to your images. And one thing which is really important is that the images are stored only at one place. They are published once, and you can reuse them through these standards in your web browser, but you don't have to download the original data, actually. And you can also annotate the images themselves if you like. So their standard is actually built in this way. You have two main API behind the IIIF, the image API and the presentation API. We'll speak about the image API short, but there are an authentication, discovery, and search API as well. I've put the URL on the left right here. So they are structured in that way. You can have, like on the left, an image server, which is feeding your images to an authentication API, for example, and you could have a parallel database with metadata that can be fed along the images. And they are plugged together in the presentation API so that they can be served on the web browser when you can search for these data or these images. And I will let Martin speak about how it works practically, because Chad worked a lot with that. Donc là, je vais reprendre l'exemple un peu avec Sari. Donc là, vous avez l'exemple d'un URL où on peut justement, donc le lien IIIF, on peut justement spécifier un peu les options de comment on va avoir l'image. Donc d'abord, on peut spécifier une région, par exemple, si on ne veut pas avoir l'image entière, juste on peut spécifier les coordonnées haute, gauche, et ensuite la dimension, les dimensions, hauteur, largeur. On peut aussi demander une taille, on peut demander, c'est en pourcentage, on peut aussi demander une échelle, etc. Il y a pas mal d'options. Et si on a besoin de tourner l'image, et enfin, si on veut l'avoir normal, donc default, ou bien l'avoir, par exemple, en gris. Et donc là, j'ai pris, par exemple, une image qui est sur le lien IIIF de Sari. Donc, vous avez l'exemple à gauche de l'image qu'on a obtenue, l'image entière. Donc, on a spécifié la région, on a juste mis full, c'est-à-dire qu'on voulait l'image entière. Et en bleu, donc c'est la taille de l'image qu'on a voulu. Et par exemple, parce qu'on préférait avoir l'image sans le contour, on spécifie une région. Donc à la place du full, on met une région. Et du coup, ça permet de faire ça. Et ensuite, une autre cas d'utilisation de cette région, c'est par exemple si on veut extraire simplement un élément de l'image. Et on change simplement la région. Donc on voit que c'est très pratique IIIF parce qu'avec la même image, on peut extraire plusieurs parties, extraire plusieurs éléments spécifiques. Et là, je vais redonner la main à Nicolas pour la suite. Thank you. So we are also using these file format called GLTF for sharing the images that are actually shown within the Snapshot platform on the Cesium 3D globe. This comes from the Chronos group, actually. And it's defined as a file format that encapsulates as a JSON all the structure of the file and
You can have the texture in a JPEG or PNG file nearby. And if you browse actually the snapshot API and you can see the results, you can really download the GLDF of a certain image if you would like to download it. So this is an example of a georeference image. Actually, the camera is not at the position where the image has been taken so that you can see a bit how it's structured in 3D, but the image itself on this image is really a GLDF file actually. And last but not least, about the Open Geospatial Consortium, because today, if you want to share geographical information data, you basically have to use some of their standards. And it has been working on many, many different standards, on the blue box on the top left, many encoding and data models formats. And what really interests us here is the small box where greens where there are green cards on the right, and upon these green cards you can see WMS, WMTS, WFS, which are well-known standards in the web for geographical information sharing. And there has been a reflection around REST APIs and so on for a few years right now, and this has ended up on the so-called OGC API standard. So there are plenty of them. And today, there are only three of them that have been approved at the OGC, which is the OGC API for environmental data retrieval, the OGC API feature, and the OGC API processes. But they are all structured together to be modular and kind of be pluggable parts, for example, around a command core that you can then plug with different sort of API that you can use specific upon your needs. And there is also another standard which is developed currently at the OGC, which is the GeoPoles, and this is really meant to share a geospatial position all around the globe in a standardized way. So in a local tangent plane, you really share a position on the Earth and the orientation, so the 6 degrees of freedom orientation attached to an object at this position. You can find more on the GeoPoles website if you want, and there will be upcoming content in the next weeks and months. So basically what we have done along the API that James presented before is to set up a WFS3, which is also a synonym for the OGC API feature, that is directly plugged onto the snapshot database. And if you browse that, you can select collection that have been built for that. And in this collection, you can browse for items. And within these items, you can then get a JSON response like this. So maybe I will try to do a small demo on that. I hope you see the web browser right now. And this is the homepage of the OGC API feature that we have set up. So normally you can browse the feature collection. And for example, there are four collections. And if you browse the images, you can then go down and check out the image item as HTML. And usually, they should be able to the URLs change there. I missed the image. So there, we have all our feature. Normally it should be displayed on the map, but there is still a small bug. And you can also ask for the equivalent JSON content. And you can also browse a single feature. For example, here, if you add a slash, the ID of your image, you should get the attribute of that image as served by the OGC API feature. And if you look at the GeoJSON, it's not well displayed there, but you can copy that. It's a JSON feature, GeoJSON. So normally, if you go to geojson.io, you can paste it. Definitely not copied. And this is only the image position, actually, which is displayed. And you can see
all the metadata. If you click the point on this sandbox demo, so these are all the metadata attached to this Smashplot image, which are displayed here in the box. But you can also browse for other metadata, for example, view sheds for the same image. This image I have to type correctly, view sheds. Okay, back. So the view sheds are really the cone of view for each picture. And if you select one, for example, we can go back to the same as the image we had before. Gets a GeoJSON. It's really a big GeoJSON data set. You can copy that and copy it there, paste it there. And you can actually see the data geographically and its metadata that has been computed along from the Smashplot database. So this is how we can use the OGC API feature. And if you check out the inside the images collection, we actually added, well, it's not really well displayed there, but it should be a GeoPose element there, starting from here to there. And if I copy that element and paste it, for example, in your favorite JSON format or tool, this should be a valid GeoPose according to the current standard state. And on this URL, there has been built a validator for such GeoPose data, and you can validate a basic GeoPose as your pitch and roll angle for the orientation. And normally, if I click there on try it out, I can paste this object there. And while clicking on execute, it should be tested and the result is valid there. So this is a valid GeoPose. If I add a letter, for example, in an angle, it will definitely say it's not valid. That's it for my side. I will let now Theo speak about the Swiss topo part. Okay, we will switch now to Theo. Theo is in Pessin. Gut, also Theo. Parfait. Est-ce qu'on voit ma présentation? Je crois que oui. Parfait. Merci. Alors, avant tout, merci aux collègues pour avoir préparé cette présentation à distance. Pour moi, un petit imprévu m'a empêché d'être présent avec les autres à SwissTopo. Donc, j'en profite pour présenter ici depuis le Tessin. Je vous évite la partie en italien. On a déjà fait pas mal de langues. On va continuer en français, que ça va être plus simple pour tout le monde. Alors, Smapshot et SwissTopo, ça fait une collaboration qui est là depuis quelques années. Ça devrait être parfait, ça marche. On a collaboré avec Smapshot surtout pour nos images historiques, quasiment que pour nos images historiques. Comme vous pouvez voir sur les slides, ça fait pas mal d'images. Donc, on a quasiment un demi-million d'enregistrements analogiques qui sont définis en tant qu'images historiques. Sur une période qui va depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, c'est tous nos données. Et comme vous pouvez voir peut-être sur ce petit schéma ici dessous, ce sont sur différents supports analogiques que ces différentes images ont été prises et qui donc nous portent à avoir énormément de d'images stockées physiquement chez nous à SwissTopo. Et qui donc ont été commencés, ont déjà depuis un moment été scannés pour être enregistrés dans nos systèmes digitaux pour permettre justement
un partage plus ample et une conservation à long terme aussi au niveau digital, car ce sont des images aussi vieilles qui commencent peut-être aussi à s'abîmer, même si on essaye de tout bout de garder les originaux. Ces images sont sauvegardées, on va dire ça comme ça, en deux différents supports. Le premier, c'est sur Lubis, donc une base de données sur laquelle on enregistre toutes les données, les images, disons, de mesure, donc tout ce que c'est des images aériennes et pas que aussi terrestres pour tout ce qui était mesuration. Et sur MemoBase, par contre, on a tout ce que c'était défini comme images documentaires, donc tout ce qui représente un peu les travaux qui ont été faits par Swistopo dans les années, ou aussi les différents instruments qui ont été utilisés dans le temps, etc. Tout ça, on a une collection dans MemoBase qui documente un peu tout cela. Toute cette collection a été définie une collection d'importance nationale en 2021. Ce qui donc nous donne encore plus d'intérêt dans la conservation et surtout la mise en valeur de toutes ces collections. Ces collections, comme j'ai dit jusqu'à maintenant, voilà, c'est passé. On peut les résumer un peu. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que c'est exactement, mais en gros, nous avons une grosse collection qui c'est des prises de vue terrestres, qui a été fait aussi à l'aide de Snapshot. On va ensuite en discuter. On a toute une partie qui est la plus grande de photos aériennes. Donc, en principe, elles ont été principalement utilisées pour la mise à jour de la carte nationale. Et ensuite, ça a été développé aussi pour justement avoir un produit image de la Suisse. Et comme vous voyez, il y a pas mal de différentes collections qui engendrent aussi différents supports et de conséquences aussi de métadonnées et d'explications de toutes ces images. Et en dernier, nous avons les prises de vue techniques, qui donc c'est un peu celles qu'on a définies avant dans MemoBase, qui vont expliquer tout comment s'est passé le travail à Swistopo dans ces années. Par Snapshot, c'est surtout, on a commencé à travailler avec Snapshot avec les prises de vue terrestres. Et actuellement, on est en train d'utiliser les services de Snapshot, donc de crowdsourcing, pour les images aériennes des plans d'ensemble. Donc les images qui ont été prises pour l'établissement des plans d'ensemble, qui sont des images qui ont été capturées à partir du 1927. Et qui actuellement nous estimons plus ou moins avoir environ 100 000 images qui doivent être géoréférenciées et stockées. Donc ici, c'est ce que je viens de dire un peu. Donc les deux collections qui étaient utilisées par lesquelles on a décidé de passer par Snapshot pour nous aider à géoréférencier ces images. La première, donc ces prises de vue terrestres, est terminée, donc a été complètement géoréférenciée. Tandis que la deuxième, comme j'ai dit, nous avons environ 100 000 images actuellement qui sont disponibles, donc qui ont été scannées et qui sont prêtes pour la géoréférenciation, sont environ 45 000. Et par Snapshot, nous procédons à des packages de géoréférenciation, sur lesquels je vais parler peut-être un petit peu ensuite. Ici, un petit exemple de ce que ça a été par les prises de vue terrestres. Donc ici, c'est un exemple d'une photo de la Valcol en 1928, où il y avait encore de la neige. Actuellement, il n'y en a pas du tout. Donc c'est bien de voir comment c'était une fois qu'il y avait de la neige aussi au Tessin. Ici, c'est un screenshot justement de la plateforme Snapshot, donc avec ce Visual Studio 3D, où ça a permis à un volontaire de géoréférencier cette capture. Snapshot, au début, avec cette collection, on avait déjà pas mal d'images géoréférenciées. Pas complètement, parce qu'on a réussi à géoréférencier les dernières 6200 et quelques images
par l'aide de volontaires qui nous ont permis de référencer ces images sur SmartShot. Ça a été aussi une excellente occasion pour déjà, utiliser SmartShot pour présenter nos collections qui ne sont pas forcément les plus connues. Donc, c'est par exemple, comme dans ce cas ici, les collections terrestres. Et SmartShot ayant cette plateforme particulièrement captivante, je ne sais pas si on dit ça en français, mais particulièrement belle et médiatisée, ça a permis vraiment d'utiliser comme un peu tremplin pour présenter nos collections. Et en ayant vu aussi comment ça a bien marché, ce géoréférencement des images qu'on ne connaissait pas la position, on est passé maintenant, donc à partir de l'année passée, on est passé à la géoréférenciation de ces images des photos aériennes de la direction des mesurations, donc pour l'établissement des plans de mesure. Et pour cela, on a décidé de procéder dans ce sens qu'on envoie, on part de paquets. Donc on a le premier qu'on a fait cette année qui est quasiment fini. C'est 1250 images qui a été attribuées à SmartShot par lesquelles on va les géoréférencier. Et une fois qu'elles sont géoréférenciées, ça va nous permettre d'aller à géoréférencier plein d'autres images par rapport aux informations qu'on a sur les vols. Donc, peut-être ici. Donc ici, par exemple, pour mieux m'expliquer, c'est peut-être plus simple de voir par image. Nous avons géoréférencié ces deux images sur SmartShot, que vous pouvez voir circuler sur l'image, par ces deux captures qui ont été positionnées par un volontaire. Donc ce sont deux images de 1957 que nous savons être du même vol. Ça nous a permis de géoréférencier, donc de positionner toutes ces autres images ici en orange pour donc, ensuite les intégrer dans notre base de données. Comme j'ai dit, actuellement, on est quasiment au 100% du premier package. Si vous voudrez passer sur SmartShot, il y a des images comme celle-ci que vous pouvez voir actuellement, qui n'est pas peut-être simple à géoréférencier. Elle doit être située entre Bonadut, Tuzis et Lensride. Si quelqu'un y arrive, merci. Il manque 5 images pour compléter complètement le premier paquet. Et qui nous permettra de passer à cette année, même sans réussir, on va passer au deuxième package cette année pour ensuite continuer à gérer en façon de toutes nos captures. Donc, ici ensuite, on va continuer. Ça, c'est l'état actuel qu'on a de nos images du plan de mesure. Nous avons à gauche, c'est les images avec le footprint de ce qui a été fait par SmartShot, donc sur SmartShot, qui nous a permis ensuite à droite de positionner certaines de ces images de dériver la position d'autres images par rapport à ceci de SmartShot. Et cela n'est pas si linéaire comme on l'a vu peut-être dans le cas avant. Car ça dépend du type de vol, ça dépend des lignes, si c'est des images individuelles, si c'est des vols faits en stéréo, donc si nous avons deux vols en contemporain à gauche-droite, d'avoir comment les jeux référencés. Donc ce n'est pas si évident et si direct. C'est pour cela que l'API qui nous a présenté, qui nous présente aujourd'hui à SmartShot, peut nous aider pas mal, surtout en gain de temps. Car déjà, après avoir géoréférencié ces images, il y a quand même pas mal de travail à faire. Et actuellement, on est à cet état-là. Donc, nous avons nos images avec nos métadonnées déjà présentes, avec peut-être une géoréférenciation de base, disons, assez imprécise. Nous transférons ces images par un file transfert, donc physiquement, disons ça comme ça, à SmartShot, qui va intégrer ces images et ces informations dans leur plateforme. Et une fois que tout le crowdsourcing a été fait et que ces images ont été positionnées, nous allons le télécharger pour ensuite télécharger ces métadonnées
améliorer, surtout au niveau de la position, et ensuite aller modifier notre base de données originale et pour permettre ensuite de passer à la visualisation sur notre viewer de carte, l'appareil admin, avec la position correcte et l'orientation juste de ces images. Donc c'est un peu, disons ça, manuel, hein, c'est un peu, il faut pas de travail, ça prend du temps, et avec cet API, on aura pas mal de gains, surtout donc on download, on update des métadonnées de nos images. Upload, comme on expliquait avant les collègues, ce n'est pas encore tout à fait au point pour nos données, mais ça va gentiment arriver. On n'a pas de doute. Et justement, ça permet vraiment un gain de temps énorme pour nous et aussi surtout au niveau de correction aussi par rapport à nos informations de base qui peuvent être des fois pas très correctes. Donc, si quelqu'un nous annonce effectivement d'une erreur de position de base ou qui ne joue pas, on peut corriger ça directement sans devoir aller à repasser par tout le processus d'avant. Donc, ce qui donne aussi un grand avantage de ces API, en plus que notre travail, disons, de tous les jours de mise à jour des métadonnées, c'est aussi une super plateforme, une super idée de mise en valeur de nos collections, qui ne sont, comme j'ai dit au début, qui ne sont pas forcément connues par le grand public et même par les professionnels du travail. Ça donne vraiment une capacité d'accéder et de jouer avec ces données qu'avant peut-être on n'avait pas. Et par exemple, en premier exemple, ça pourrait être par rapport à MemoBase. Donc ce sont des images comme celle-là. Donc, vous pouvez voir à gauche, c'est une image de 1914 de Piz Bernina qui peut être qui pourrait être par exemple géoréférencier. Et on pourrait l'intégrer comme dans ces viewers que nous ont montré avant les collègues. Donc, une petite explication de la carte, une petite représentation et ça part direct. Et ça permettrait de mettre en valeur des images comme celle-là. Pas toutes, comme celle du milieu, hein, par exemple. Ça, on ne peut pas vraiment la géoférencier, mais ça fait partie aussi de notre collection. Tandis, par exemple, à droite, on a une image de Obersachs de 1900 où on a des points, une église, ça me viendra plus tard, je pense, le terme avec la tour, mais si ça me vient pas, non, mais bon, où on peut l'utiliser comme point de, c'est des points fixes qui ont été répertoriés et donc qui permet aussi de voir l'évolution du paysage et de toute la technique. Voilà, donc ça c'est tout pour Swistopo. On a hâte de travailler. Ben, le prochain package des images, il sera probablement traité avec cet API, comme ça on pourra développer l'utilisation future avec cette nouvel outil. Merci. Je crois que je redonne la parole à James. Ouais. Ok. Alors, nous venons gentiment aux conclusions. Alors, on peut, à travers ce projet, constater que les photos historiques Alors, nous venons en conclusion. Donc, on peut constater que, à travers ce projet, que les photos historiques représentent un énorme potentiel. On peut maintenant, à travers cette API, qui est fonctionnel, qui est documenté, qui est open source, créer des différents cas d'utilisation. Donc, on l'a vu à travers le cas d'utilisation avec le SARI, avec les OPP, avec des widgets qui ont été présentés. On peut accéder directement aux informations. Donc, avec une simple URL que vous pouvez composer avec les différents paramètres, vous pouvez donc extraire des informations, des métadonnées depuis cette base de données snapshot, donc comme la géolocalisation, le footprint, etc., etc. Et puis, vous pouvez les intégrer dans votre propre application et puis les utiliser après.
Une autre conclusion aussi de ce projet, c'est aussi par rapport aux standards. Donc, on a des standards qui sont plutôt orientés géo-information, puis des standards qui sont plutôt orientés médias. Et donc, ce n'est pas toujours très simple de mettre en musique ces deux mondes de standards, donc de se baser sur un standard géo et puis d'essayer d'intégrer des notions de médias dedans, ou de faire l'inverse, de se baser sur un standard plutôt orienté médias, puis d'ajouter des éléments plutôt géo dedans. Alors, je passe maintenant la parole à David. Oui. La conclusion de point de vue du project owner, c'est avec cette API, on a une interface utilisateur qui permet d'avoir un accès machine to machine. Ça veut dire on ne reste pas seulement dans le contexte géo, on est dehors du contexte géo, on peut utiliser maintenant pas seulement les images, mais les attributs dans des systèmes bibliothécaires, dans il y a des développeurs qui, je pense, vont développer des apps et c'est internationalisé. Alors, on passe dans un autre domaine. On est vraiment interopérable, pas seulement dans le domaine SIG, mais aussi maintenant dans le domaine bibliothécaire et knowledge, dans cette knowledge pyramide. Et l'autre chose, comme je pense, si c'est vraiment important, c'est maintenant, on a une API once only. On peut travailler maintenant entre l'UBIS, de SwissTopos, MapShot, Loftbuild Index, ETH Zurich, librairie. Tout le monde peut travailler ensemble. On a une interface qui permet d'échanger les données et ça va faciliter le travail. Et avec ça, on augmente aussi l'utilisation des photos aériennes. On a maintenant une grande public, pas seulement les experts, mais on est grand public qui peut accéder les photos aériennes. Et ça c'est seulement possible parce qu'on travaille avec des standards ouverts, avec des logiciels ouverts et avec l'orchestration. Et l'orchestration, ça dépend toujours des gens comme Jens, comme Nicolas, comme Martin, comme James qui sont ici et qui font le boulot qui est nécessaire de convaincre les prestataires des données de faire ça. Et c'est quoi le prochain step? C'est une infrastructure centrale pour les photos aériennes. Mais ce n'est pas nous à décider, c'est maintenant notre stakeholder et le public. Est-ce qu'on veut ça? Techniquement, on est prêt. Hein? Jens, Outlook. Man sieht eben, dass die Benutzung von historischen georeferenzierten Bildern auch ein Feld ist, in dem es sehr, sehr viele verschiedene Facetten gibt. Also einerseits Metadaten wurde sehr oft erwähnt, Landschaftsanalysen für Refotografie sind alles Möglichkeiten, die man jetzt auch mit diesem API realisieren kann. Also ich habe kürzlich auch ein Projekt, wo mit Drohnen Bilder von Smapshot wieder fotografiert wurden oder auch eine Masterarbeit von zwei Masterstudenten von der Universität Lund, die eine Applikation entwickelt haben, mit der man alte Fotos mit einem Smartphone nochmal neu aufnehmen kann. Und das sind alles Applikationen, die man mit so einem API auch realisieren kann. Natürlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten, die einem jetzt offenstehen mit diesem API. Also man kann zum Beispiel auch automatisch Daten aus dieser Datenbank herausziehen. Man kann automatisch diese Daten benutzen, um zum Beispiel einen Algorithmus zu trainieren, der automatisch verschiedene Objekte in Bildern erkennt und damit dann auch diese Objekte wiedererkennt und damit die Position von einem neuen Bild dann auch neu berechnen kann, ohne zum Beispiel ein GPS zu haben oder sonst andere Möglichkeiten für die Referenzierung zu haben. Und eben, last but not least, eben auch mit diesem API ist ganz einfach möglich, Daten in einer Web-Applikation, in einer Desktop-Applikation, in einer mobilen Applikation automatisch zu integrieren und im Prinzip damit zu machen, was man möchte. Ja, damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Also, maintenant. So.
geht es darum, sind Fragen von euch, so wie das jetzt im Chat sehen, are there questions? I will quickly make a new question. A new question we could answer. Bonjour, des problèmes techniques n'empêchent de prendre la parole sur Teams. Oui, c'est le process. En tant que l'employé de l'AFF chargé de la politique paysage, je voulais juste affirmer énormément de protection de cette plateforme. Alors, merci, Pat. C'est pour toi, Jens. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non, alors, j'ai une question pour toi. Depuis trois ans, je pense maintenant, trois ans, il y a Sexist Mapshot. Est-ce que, combien des images aériennes restent en Suisse pour être rectifiées par ce Mapshot? Qu'est-ce que tu penses? Oui, alors si je me base sur cette... sur ce sondage qu'on a fait, donc il y avait 37 personnes qui ont répondu à environ, si je fais la somme de tout, qui a environ 8 millions de photos qui sont à disposition chez ces 37 personnes qui ont répondu. Environ 40% qui sont déjà numérisées, donc on arrive à environ 3,5 millions de photos qu'on pourrait donc utiliser à travers cet API et aussi à travers Smartshot. Puis là, c'est que pour 37. Donc si j'essaye de faire une certaine extrapolation, je peux m'imaginer qu'on a autour de 10, 20 millions de photos qu'on pourrait facilement, plus ou moins facilement intégrer. Alors, pour donner une certaine estimation. Ça reste de boulot à faire. Hein. Oui. Là, maintenant, il y a une autre question qui est venue. Oui. Wenn man private Bilder hat, gibt es die Möglichkeit, diese auf einen Server zu laden, damit sie allgemein zugänglich sind, via Snapshot, nehme ich an. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch oft wiederkommt. Also, wenn diese Fotos zum Beispiel auf Snapshot gehostet werden, dann könnte das gewisse Probleme geben. Zum Beispiel, wenn jemand einfach Fotos hochlädt und nicht die Benutzerrechte für diese Fotos besitzt, dann könnte uns das Problem bereiten. Jetzt mit diesem API und auch der Möglichkeit über IIIF, also diesen Standard, diesen Medienstandard, Bilder direkt in Snapshot zu integrieren, dadurch wird es dann möglich, dass diese Bilder dann extern gehostet sind. Also die Bilder sind eigentlich gar nicht auf Smartshot-Servern gehostet, die Bilder sind auf externen Servern gehostet. Und wir integrieren diese Bilder, Martin hat das auch gezeigt, wir integrieren diese Bilder dann über Links in Snapshot, aber die Bilder werden immer noch auf einem externen Server gehostet. Das heißt, was wir eigentlich dann nur noch machen, sind die Metadaten zu generieren, die Metadaten dann über das API zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet im Prinzip, wenn Sie einen IIIF-Server haben, dann ist es sehr viel einfacher, dann diese Fotos dann auf Snapshot zu pushen. Und Sie besitzen diese Fotos immer und sie werden eigentlich nicht bei uns gehostet. Also wenn ich jetzt ein Museum bin im hinteren Emmental, dann muss ich einen IIIF-Server beziehen, über den ich Verantwortung übernehme, den betreiben und dann bin ich bei Snapshot dabei und habe immer die Kontrolle über meine Daten. Das ist das Prinzip, ja. Sehr gut. Wir haben eine andere, nächste Frage. Est-ce que la cloud peut être remplacée par une géofonction automatiquement? AI, à terme. Ça aussi, c'est une question très intéressante. Puis Nicolas a fait quelques tests, donc c'était d'ailleurs publié sur un site web d'une conférence qui s'appelle OGRS. C'était présenté à Lugano en 2018 ou 2019. Et donc, ce que Nicolas, tu as fait, c'est donc d'essayer aussi d'avoir plusieurs photos qui sont déjà géolocalisées, avec les ongles, avec la position depuis où la photo a été prise, puis d'essayer de reconnaître dans une troisième photo, dans une photo qui n'est pas encore géolocalisée, de reconnaître ces différents éléments. Puis à travers ça, de pouvoir géolocaliser automatiquement une photo. Alors donc, ça fonctionne sur le principe. Évidemment, il y a plusieurs questions aussi à résoudre avec ce process, mais au fond, ça peut fonctionner.
Mais on s'est aussi posé assez souvent cette question, est-ce que ce serait bien pour, par exemple, le snapshot, pour la communauté, pour tout le projet d'offrir ce genre d'algorithme. Parce que Snapshot, c'est la communauté a aussi beaucoup de plaisir à utiliser Snapshot. Puis je suis personnellement relativement sceptique aussi si on commence à remplacer le travail, le plaisir de cette géolocalisation, c'est peut-être pas une très bonne idée. On pourrait éventuellement s'imaginer d'utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, valider certains éléments ou suggérer une validation de la géolocalisation. Mais pour remplacer le travail des volontaires, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Alors, bon, merci. Hein, l'humain est important, reste important. We have a follow-up on these questions. Can we in the future invert the problem? I upload an image and the API responds where my image was taken and in which direction. Okay, then in this case, yeah, this is basically the use case that we also have with the kubelif service that you sort of upload the image or you give the link to the image and in Snapshot, the position is generated at the moment, of course, through the work of the volunteers. And so, yeah, basically, you can, once this work has been done, you can simply use the API in order to get the data that has been that has been computed by Snapshot. So this is actually, at the moment, the workflow. But maybe at some point, maybe someone wants to create another project which only works with artificial intelligence, and then maybe this can also generate the pose of a picture. Mm-hmm. Thanks. Also, that means that if the crowd out there wants to start a new project, new idea, PhD, go for the NGDI finance middle and get the data. Da ist noch eine weitere Frage. Können die alten Luftbilder in Lubis auf die aktuelle Karte darüber gelegt werden? Oftmals ist es sehr schwierig, die alten Luftbilder zu interpretieren. Da kann ich antworten, in diesem Sinne, dass wir daran sind, den Kartenviewer zu erneuern und gleichzeitig haben wir Open Data Swisstopo seit einem Jahr und wir müssen auch die historischen Daten, die in der Cloud draußen sind, nur als Teils, jetzt als ganze Daten bereitstellen. Hier heißt das Zauberwort Cloud Optimized TIFF, COCTIFF. Und wenn wir COCTIFFs dann haben in der Cloud, dann können wir anstatt nur des Footprints angeben, kann man dann direkt das Luftbild darüber legen. Also ist in the making ist neudeutsch gesagt im Backlog. Ich hoffe, dass man 2023 wieder mal dann angehen können. Il y a une autre question. Lorsque des données LIDAR sont disponibles, pourraient-elles être mises à disposition les crowdsources pour faciliter leur travail au milieu urbain, par exemple? Ouais, alors, je peux répondre à cette question. Donc, alors, actuellement, le géoréférencement fonctionne donc avec un modèle numérique de terrain et puis donc la pose de points de contrôle sur ce modèle. Il y a plusieurs idées, donc ça c'est aussi quelque chose qui est sorti d'un autre séminaire qu'on a fait l'année passée en novembre, qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent par exemple utiliser des bâtiments 3D, par exemple les bâtiments 3D de Swisstopo, pour faire cette géolocalisation. Alors, le problème technique qu'on a actuellement, et puis pour lequel on cherche encore des possibilités de financement pour essayer de développer ça, c'est de pouvoir donc utiliser donc des bâtiments 3D, donc des formes vectorielles, pour pouvoir poser des points de contrôle, des GCP. Bon, ça, c'est encore quelque chose qu'on doit développer. Et puis, une fois qu'on a développé ça, on peut aussi s'imaginer de mettre ou d'intégrer d'autres données vectoriel dans Snapshot pour utiliser ces données pour la géolocalisation. Donc, réponse courte, pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais l'idée, c'est d'offrir cette possibilité dans le futur. Alors, reste de temps de poser des questions.
J'ai une autre question pour toi, parce qu'on a le temps, c'est développer des standards et travailler avec des standards. C'est toujours difficile à vendre des standards parce que ça c'est en anglais on dit pain in the ass et on a un standard, deux standards, trois standards, on ajoute un quatrième standard. Qu'est-ce que tu peux recommander pour les gens qui travaillent dans ce domaine? Comment résoudre ce problème? Comment procéder pour convaincre les clients et les prestataires de données de travailler avec ce standard? Alors c'est clair que surtout pour un tel projet où on essaie de fédérer des données qui viennent de différentes sources et puis qu'on essaie de mettre à disposition ces données générées après à d'autres personnes, il est évident qu'on a besoin de standards qui sont supportés par un plus grand nombre de logiciels d'identité. Ça c'est évident. Maintenant, aujourd'hui, on est un peu à un moment un peu charnière au niveau des standards. Donc, surtout l'OGCI, Nicolas l'a aussi mentionné, il y a des vieux standards comme le WMS et le WFS, etc., qui ont vécu un peu, puis maintenant tout commence à être remplacé par ces standards type OGCI API, qui sont tous des standards REST. Donc REST, ça c'est clairement ce qui est utilisé ou ce qui va être utilisé par les futurs standards. Et puis, j'ai aussi l'impression que plusieurs standards sont presque publiés, mais pas encore. Et puis, il y a encore une petite marge aussi pour de discussion, de modification, d'intégration de cas d'utilisation. Puis c'est juste maintenant aussi le bon moment pour aussi, par exemple, intégrer un use case comme par exemple celui des images géolocalisées en 3D. Et puis, notamment aujourd'hui, on voit aussi ce que j'ai aussi mentionné un peu plus tôt, c'est qu'on a des standards qui sont plus orientés géo, puis il y a des standards qui sont plutôt orientés médias. Puis maintenant, la question c'est toujours, est-ce qu'on va se baser plutôt sur un standard média, puis essayer d'intégrer des notions géo dedans, qui peut être plus ou moins difficile, ou est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers un standard géo, puis essayer d'intégrer des notions de média dedans? Puis ça c'est justement la question charnière aussi de ce projet-là. Donc là, la solution qu'on voit, c'est d'essayer de, au moins les deux, en gros les standards les plus utilisés, puis aussi, évidemment, c'était aussi l'idée de ce questionnaire, de ce sondage qu'on a fait, d'essayer d'identifier les standards les plus utilisés pour pouvoir les utiliser pour cette API. Merci, soyez fiers. Venez, tout le monde ici, même Félix, merci. Alors, Félix, bien aussi, on est maintenant enfin, il n'y a plus de questions dans cette live chat et nous vous remercions vraiment toute l'équipe. Ah, super. Et merci. Même Félix, viens vite. Alors, Félix, viens un peu. Oui. Alors, hein, merci pour être ici et bonne journée. À la prochaine. Merci.